independence, Nine of Pentacles, financial freedom, not having to worry about anything, not having to look at prices. It's not about the price. Do you desire it? Yes or no? If you desire it, it's because it's already yours. There's a reason why you get that feeling when you see your desires. So you're meant to be financially free, and you're coming out of this, the devil mentality of how you used to think. Well, will this work out? Will this do that? Will this do that? One time I had a call with someone, and they were like, I'm so sorry, energy. I'm so sorry for being complicated. I'm so sorry for being challenging. And I said, don't be sorry to me, because when I hang up this phone, I will not have to deal with that. You have to live with yourself every second of the day. So that tells me you live a pretty challenging life, because you're like this 24/7. We must be aligned so we can have peace, so we can receive and feel good. Okay? So it's like you have to live with yourself. Bonjour, non, bonsoir, c'est mieux. Bonsoir à tout le monde. Ce qui arrive devant est magnifique. What's coming, it's beautiful. Ce qui est devant vous est magnifique. Là, on est dimanche. Tu es dans le lit, tu chill et tu te dis, oh, ah, girl, tu as déjà tellement nettoyé. Tu as nettoyé. Ton énergie est prête. Tu vas manifester de l'argent de ouf. Bonsoir de Faya. C'est comme si demain tu commençais un nouveau mois. Donc c'est aujourd'hui que je vous souhaite bon mois. Happy New Month. Happy, happy, happy new month. Avant, tu faisais une petite partie de ton business. Tu ne parlais pas beaucoup de ce que tu fais aux gens. Et tu avais peur. Et si ça ne marche pas? Et si les gens n'achètent pas? Et si les gens ne viennent pas? Et si on ne regarde pas? Et si ça ne plaît pas aux gens? Prépare ton énergie à recevoir plus grand. Tu vas louer d'autres maisons. Oui. Oui. Tu vas aller dans d'autres pays. Tu es arrivé dans un pays, ta vision s'était limitée. Je vais faire 5 ans ici. Je vais faire 10 ans avant d'espérer voyager. Depuis que tu cherchais l'argent du billet d'avion, dans les 4 prochaines semaines, tu vas planifier au moins 2 voyages. Ta vision est en train de s'étendre. Tu n'as même pas encore commencé. Tu as souffert pour ouvrir un magasin. En 2 mois, tu vas ouvrir 4 magasins. You are just starting, girl. You're just starting. You haven't even begun. Oh my goodness. Oh, t'as même pas encore commencé. Pourquoi t'as peur? Pourquoi tu as peur? C'est maintenant que ta vie commence.
C'est pour ça que tu ressens, c'est un peu comme si tu es stressé. Un peu comme si tu, like, tu es comme si tu n'as pas le goût à la vie. Hein? Tu as trop travaillé sur toi les derniers jours-ci pour que ta vie reste statique. Tu vas voyager. Tu vas lancer les business. Souvent, tu vas dire ça, en une semaine, tu vas lancer 3 activités. Toi-même, tu vas wonder que je vais gérer ça même comment? Tu vas déménager. Faut laisser les cautions. Celui qui ne veut pas rembourser la caution, tu le laisses. Souvent, tu te casses pour demander un mois de loyer. Il ne sait pas que la maison où tu parles, tu as été payé même 2 mois son loyer là qu'il demandait. Est-ce que tu connais même qui tu es? Tu souffrais pour payer 30 000. La maison de 100 000 où tu entres là, tu ne vas même pas faire 4 mois là-bas, tu vas déménager encore pour aller louer 250 000. Makarababoshikata. Moi, si mon frère, je connais Santi. Je connais quand l'argent arrive. Je connais. I can feel the money. I feel it coming. I feel it coming. Tu dois pouvoir rester seul dans ta maison. Hein? On dit quoi là? You get excited yourself. Quelqu'un se dit, mais tu es contente pourquoi? Il dit, oh, si tu savais ce que j'ai vu. Où est l'argent là? Non, laisse, si tu savais ce que j'ai vu. Dans le mois de juin, si tu vas obtenir les visas des pays que tu n'avais même jamais pensé que tu peux. Et n'oubliez pas que les choses, c'est en dimension. Il y a des moments où tu as essayé. Tu essaies de faire le visa, ça ne donne pas. Tu essaies de faire ça, ça ne donne pas. Tu es en train de... Donc, de nouveaux territoires vont être ouverts dans les 2 semaines qui arrivent. Vous connaissez même Reine Lumière, là. Vous me connaissez même. En parlant que moi, je suis apathy. En parlant que je suis apathy. Gogo. J'ai affaire. Je suis comme ça, je reste comme ça là. La dépression vient d'abord. La colère. Après, même une musique, je commence à danser. Après, il dit. Cherchez un nouveau local. Cherchez une nouvelle maison. Il faut que je parte dans tel pays. L'ennemi essaie d'être stressé. Il est petit. Et coq, oh you non, et coq. Et coq. Aïe, aïe, aïe. Instressable. Personne ne peut t'arrêter. Tu es encore chez tes parents. Attends, ils te bloquent. Je ne veux pas les pauvres ici. Mais je suis encore chez mes parents. Qui t'avait ta pauvreté? Allah a déjà accepté mes œuvres. Ne te dérange même pas. Moi, je donne mes œuvres avec la foi. I give it with faith. Quand je fais ma chose, vous venez, vous ne venez pas, je fais. Vous achetez, vous n'achetez pas. Je vends, après je mange même l'autre sur ça. Je prends, je porte même l'autre sur ça. J'utilise même l'autre. Je pars dans un pays, vous ne venez pas me voir. Je pars me coucher dans un bon hôtel là-bas. Je mange moi ma bonne nourriture. Ouais, j'ai fait ça pour vous. D'abord pour moi-même. Ça doit me plaire. Oh, pourquoi? Oh, vous laissez les gens vous stressent pourquoi? On vous stresse? On te stresse? On te stresse? Tu es là 23 heures à la maison. Tu réfléchis. Est-ce que je vais? Est-ce que tu n'as même pas encore commencé? Je t'ai dit que les 2 prochaines semaines, là, tu vas voir les qualités de dîmes que tu n'avais pas encore payées. Tu vois, ça faisait 100 000, 200 000. Tu dis que mince, maman, l'argent s'y sort d'où? Tu t'es préparé.
Et avant que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, il te dit toujours, like, what, you know? Girl! Oh my goodness. Je sais pas, j'ai des visions, des flashs. Si tu savais ce que Dieu a pour toi, tu vas entrer en studio, tu vas t'enregistrer. Tu vas lancer ton premier film. Tu vas créer ton label. Tout ce que tu pensais que c'était gros, c'était compliqué, c'était... Tu vas me voir demain, Naomi. Tu as déjà payé. Ceux que je consulte au Gabon, ils ont déjà payé. Donc, demain, je vais les rencontrer. Je vais aller à Airtel réactiver mes SIM cards. Je dois aller à UBA pour ouvrir mon compte. J'ai envie de partir chez Aura Bank cette fois-ci. Je vais voir. Je dois aller réactiver mes cartes SIM. Je dois ouvrir mon compte et je voyage dans 2 jours. C'est ça. C'est ça. Ne laissez pas qu'on mette... On vient jouer sur votre cerveau, hein. Que wow, tu vas prendre l'argent où? Est-ce qu'on te connaît même? Machine à manifestation? Oui, mais il y a les gens sur la liste d'attente depuis là. Je consulte avec mes humeurs, selon mes humeurs. Je me charge d'abord bien. Je mange le chocolat, je pars chez Paul, je mange. Je pars au bord de l'eau. Je dors bien, je suis bien à l'aise avant de vous consulter. Tu es la machine à manifester. Tu ne peux pas te connecter à moi, tu es pauvre. Vu que tu m'écoutes chaque soir et tu es pauvre, désabonne-toi. Signal, je te bloque. Signalez-vous, je vous bloque. Et que c'est comment? Signalez, je vous bloque. C'est 80 000 pour me voir à Libreville, ma chérie. Oui. Parce que quand tu me vois, tu prends ma lumière. Faut pas venir me donner. Non, 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 non. En attendant que j'augmente. Tu m'envoies les ondes. Merci, je te les renvoie multipliées par 100. Si tu écoutes ma voix actuellement et tu es pauvre, signale, je te bloque. Je ne veux pas les followers qui sont pauvres. On te stresse, ma chérie. Tu as besoin de ton espace. Tu restes ça là, tu regardes le mur, tu dis que je veux que ce soit violet. Je veux que ce soit rose. Demain, tu achètes un petit, tu viens peindre. En partant sur le bailleur, tu dis que, oh, mon mur est comme ça. Tu le laisses avec la caution. J'y fais les bailleurs avec les cautions, hein. J'y fais les bailleurs avec les cautions. Ah, il m'a offert d'abord avec ça. C'est un privilège pour toi de m'avoir dans ta maison, monsieur. Tioup. Oh, non. Ils aiment souvent faire ça. Je vous menace pas que quoi. Oh, pas. Pour ta canon. Je vois que quand tu stressais un peu ce soir, tu vois, il fallait que je vienne te faire mes paroles comme ça. Tu as allumé la bougie, j'ai compris. Je parle d'argent, faut me laisser. Quand elle parle d'argent, ne venez pas me parler des trucs pauvres. Tu entres dans une maison, ton coffre un jar. Je vous dis que j'ai fait 48 heures dans une maison. J'ai aménagé le lendemain Camtel. Moi, j'ai toujours connu les gens un peu dans Camtel. Le genre que quand ils déménagent, on vient résoudre ma situation vite. J'ai aménagé aujourd'hui. Camtel est venu le lendemain. J'ai déposé mes choses à 22h. Le lendemain, à 8h, j'étais chez moi, en train de mettre Internet. Je me couche la nuit là, je dors. Mince. Je vois un gros monstre qui sort de la baignoire comme ça là. Il vient, il dit que non, non, la maison, ce n'est pas bien pour moi. Et lui dit que monsieur, il déménage. Le lendemain soir, il était en train d'appeler la voiture. Le surlendemain, à 8h, on est venu porter mes choses, partir avec. Il avait retiré 150 000 sur ma caution. Il avait pris mon argent. J'ai laissé avec. J'ai laissé avec. Singa, c'est bon. Tu dis que tu n'es pas pauvre. Vous savez qu'il y a des gens qui ont l'argent physiquement, mais dans la tête, ils sont pauvres. Leur énergie. C'est pour ça que vous ne devez pas juger votre... Oh, je n'ai pas l'argent dans mon compte. Non, l'argent, on le commande, ça vient. Tu as besoin d'argent pour faire quoi? Eric, visualise ce que tu veux maintenant là. Je m'accorde avec toi. Allez. Je sens l'énergie dans moi ce soir jusqu'à... Si elle touche quelqu'un, elle va l'électrocuter. Chakarababa, Santa. L'argent est en train d'arriver. Money is coming. Allez, vois ce que tu veux. Vois ce que tu veux. Arrêtez de dire que j'attire. Quand je poste mes vidéos, les gens disent que j'attire.
J'ai, on dit j'ai. J'attire, c'est quoi? Tu es l'aimant? J'attire, j'attire. On dit j'ai. Tu vas parler dans la maison avec les échos? Oui. Tu aménages ta maison, tu parles, ça fait écho. Waouh, waouh. C'est comme ça. J'attire positivement. Je n'entends pas l'argent dans cette phrase. J'attire positivement. Oh, TikTok. TikTok vous en, vous endormit, hein. J'attire. J'attire quoi? J'attire pas quoi? Hein? Oh. Recevez. Tu es en train de voir quoi? Ne demandez pas les petites choses, hein. Je vous connais. Que je veux seulement payer mon loyer du mois de juin et juillet. Ne te mets pas dans ma prière ici, là. Tu as compris? On voit d'abord les beaux habits, l'abondance, les beaux vêtements. Moi, j'aime les longues robes avec le derrière comme pour Superman, là. Mm-hmm. Les voyages. Beaucoup d'argent. Les billets d'avion. Les serviteurs. Ou bien tu vas aménager dans une nouvelle maison. Reçois tes 1 200 000 de salaire. Avec ça, tu feras quoi, chérie? Dis-moi. Une belle maison avec le jardin dehors. Tu plantes ce que tu veux dans le jardin. Après, tu cueilles ça, tu fais bouillir. On a fait pousser du basilic chez moi à Makepe. C'est tellement bon jusqu'à... J'ai envie de faire l'agriculture. Oui. On ne dit pas qu'on est milliardaire, Yolande. Ça, c'est les déclarations des pauvres. Je suis milliardaire. Toi, en disant ça dans ta petite chambre, là, tu vois, ça va te faire mal au cœur. Donc, ne dis même pas ça. Ne dis pas. Tu as compris? Ne dis pas ça. Que je suis milliardaire. Toi-même, tu sens dans toi que peut-être tu vas faire 3 vies avant d'être milliardaire. L'abondance est différente. L'abondance. J'ai ce que je veux. I feel good. Il y a quelqu'un que tu as été libéré ce soir. Tu as pris une bonne décision. Au départ, tu savais déjà que tu ne devais pas le faire. Hey, tu dis qu'elle serait ta femme. Peut-être c'est toi le chocolat que je vois là-bas, hein. D'accord. Donc, t'as pris une bonne décision. Oui. Et tu vas te régénérer. Tu es en régénération. Carrément, dans 3 jours au plus, l'argent va commencer à revenir dans tes mains. Money is coming. Money is coming. L'argent est en train de venir. Et je vous dis encore, l'argent vient de tous les côtés. Voyez l'argent venir. Quand tu te vois en train d'avoir, que ce ne soit jamais au détriment des autres personnes. Si vous vous voyez en train d'apporter tellement de valeur, c'est pour ça que la dîme, je vous dis toujours, mon souhait c'est que vous prospériez. Si tu obtiens 50 millions là maintenant, tu vas payer la dîme qui va augmenter. Donc quand tu as 50 000 de salaire, ce n'est pas dans mon avantage. Moi, en tant que ton guide spirituel, il est de mon avantage que ton argent augmente. Hein? Tu as 500 000, ta dîme augmente. Tu as 5 millions, ta dîme augmente. Tu as 50 millions, ta dîme augmente. Donc, en recevant de l'univers, voyez toujours, je prospère d'autres personnes et moi-même, je prospère. C'est comme ça que tu vois ton argent vient sans faute. Et il est stable et il est croissant. J'ai les secrets que le Seigneur m'a montré et j'ai su que je ne serai jamais pauvre. Tant que tu apportes la valeur aux gens, ils prospèrent, tu prospères. Ils prospèrent, tu prospères. La dîme, c'est 10% de ton revenu, ton salaire, ton profit de business, ouais, ton bénéfice.
et surtout avec la joie. Que la joie ne vous quitte pas. Reste souvent à la maison, ça, tu mets ta musique, tu danses jusqu'à. Si quelqu'un te voit danser, que yé. Le principe de la dîme est le suivant. Là où tu es nourri spirituellement, tu retournes 10% de ton argent là-bas pour honorer ton guide spirituel, ta source spirituelle. Les gens, la dîme est personnelle. Beaucoup de femmes ont de la peine à faire que leur gars paye la dîme. Beaucoup d'hommes ont de la peine à faire que leur femme paye la dîme. La dîme est personnelle. Attendez, même mes lunettes. Si on doit te pousser pour que tu payes la dîme, bêta, tu laisses. Aujourd'hui, non. La dîme débloque, ça apporte les faveurs. Tu vois quelqu'un que tu as vidé tout ton argent pour faire un grand pas. You made a big step, a big move. Tu as vidé ton argent et là tu... Quand tu te vois les plans, tu te dis, je vais faire comment demain, après-demain. On me dit de te dire que l'argent apparaît. Hatalabaka Shantara. L'argent apparaît. Répète après moi. L'argent apparaît. Tu as compris? L'argent ne vient pas un peu. Un coup, c'est là. Bien. L'argent apparaît. Un jour, j'étais devant les vagues. Et la reine de l'eau était en train de m'enseigner. J'aime beaucoup lui parler. Like, I love talking to her. Parce qu'elle porte, elle parle toujours en termes d'abondance. Elle ne parle pas de pauvreté. Et là, elle me dit, regarde les vagues. L'eau est calme. Elle me dit, tu sais, les gens parfois se disent que la vague vient de loin, ça court, ça vient au bord de l'eau, ça se fait ce choua. Après, ça vient encore de loin, ça court, ça vient encore choua. Elle dit non. Si tu prends la vague comme l'argent, regarde au bord de l'eau. Je regarde, après une seconde, une vague se lève. Youp. Après, l'autre se lève encore. Oup! Après ça, elle dit, c'est comme ça que l'argent vient. That's how money comes. L'argent n'a pas besoin de que tu le traces, que tu saches d'où il va venir. Et d'ailleurs, comme tu es là, Dieu essaie de te donner l'argent depuis 18h. Mais tes pensées bloquent. Donc, libérez votre esprit. Il y a les clients qui veulent t'appeler depuis. Pour les business que tu n'avais même pas imaginé. J'ai dit que l'argent apparaît. Je n'ai pas dit que l'argent vient. Ça apparaît. Un coup, c'est là. Bien. Non, tu sais, je vais aller là-bas. Je vais donner comme ça. Je vais faire comme ça. Après, je vais faire ici comme ça. Ça va sortir là-bas. Ça va venir. Après, je vais avec ma part. Elle va me donner la moitié. Depuis que tu as calculé comme ça, ça a donné. Je déclare ce soir que tu entres dans une dimension financière où ton argent apparaît. Je dis que quoi? Tu entres dans la dimension. Dans cette dimension aussi, il y a la foi. Congratulations, you have seen the glory of God. Congratulations, he has done it for you. And you will come back with a new song to sing. God is good. And you have come again with a new song to sing. God is good. Oh. Congratulations. Congratulations. See what the Lord has done for you. Tu dois absolument laisser ton cœur se dilater.
Ne laisse pas la tristesse sur toi. Ne laisse pas la... Ne joue pas la victime. Eh, j'ai laissé mes arachides à doigts là et... Yeah, j'ai laissé mes arachides à doigts là et... Ok, je continue ma prophétie. Ne laisse pas la distraction venir sur toi. Ne laisse pas la tristesse. Tu es dans une dimension de foi. Une dimension où tu as déjà tellement vu Jésus faire. Eh, Seigneur, mes arachides grillés dans la boîte. Oh, bon. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Ok. Tu es dans une dimension où tu as déjà vu Dieu te sortir de tellement de situations que tu sais comment il parle. Tu sais comment il te guide. Et le petit revers de la chose, c'est que tu ne peux plus penser petit. You cannot think small. Je suis désolée, chérie. Tu ne peux plus voir petit. Tu ne peux plus faire de petits cadeaux aux gens. Tu ne peux même pas d'ailleurs t'empêcher de faire des cadeaux aux gens. Parce que tu donnes comme si tu sais que tu auras encore tout à l'heure. Karababa shika taradadabusi Ils sont en train de travailler sur ta célébrité. Avant la fin de cette année, tu seras célèbre. Mais on est en train de conditionner ton esprit pour que tu saches écouter. Que quand tu montes, personne ne vient t'influencer. Parce que c'est ton esprit qui va te faire monter. C'est ton esprit qui va te faire dominer. Ce n'est pas qui tu connais. Ce ne sont pas les stratégies. But your spirit. Il y en a ici, vous avez un esprit très puissant. Très. Ton esprit est en train de percer sur la toile. Il est en train de faire que tu sois connu. Et ça se passera tout d'un coup. Subitement. Subitement. Soudainement. I don't speak for everyone. I only speak for the chosen one. Je parle juste pour les choisis. Je ne parle pas pour tout le monde. Les personnes qui m'écoutent, c'est quelque chose que vous sentiez à l'intérieur de vous. Waouh, ta voix va s'ouvrir. Tu étais très frustré, tu étais dans un environnement, tu étais frustré avant. Je vois quelqu'un dont les cordes vocales sont en train de s'ouvrir. Ta parole aura plus d'influence sur les gens. Avant, tu parlais, on te donnait 5 000. Maintenant, tu vas parler, on va te libérer 5 millions. Tu es en train d'avoir de la puissance. You're growing in power. Tu grandis en puissance. Et tu as payé le prix qu'il faut. You've paid the price, girl. Il y a quelqu'un ici, tu dois apprendre l'anglais en douce. Apprends l'anglais. Parce qu'il y aura une opportunité où tu vas être appelé à partir aux États-Unis. Dans un pays anglo-saxon, en tout cas. Donc, prépare-toi. Prepare yourself, girl. On se prépare. On ne sait pas pourquoi, mais on le fait. 6 mois plus tard, on comprend pourquoi. J'ai appris à écouter l'esprit. Je demande toujours la prompte obéissance. Toujours. L'autre jour, je reste là comme ça. J'avais beaucoup à faire à Douala. Et j'ai une vision, je vois mes cheveux avec des cories. J'en avais dans les cheveux avant, mais quand j'ai refait les nouveaux locks, j'ai enlevé. J'ai toujours les anciens locks quelque part à la maison. Je ne sais pas dans quelle maison, mais c'est quelque part chez moi. Donc, dans la vision, on me dit, mets les cories sur ta tête. Je dis, ok. J'avais trop à faire dans la journée. Pour le lavage à distance, tu dois avoir 85 euros. Ok? Le lavage à distance, c'est 50 000. Deux jours plus tard, je suis en train de parler avec mon ami.
Il me regarde, il me dit, tu dois mettre les gorilles sur ta tête. Et là, je me rappelle avant-hier, je dis, oh my goodness. L'esprit vous parle. Mais vous écoutez très peu. Parfois, les personnes autour de vous vous distraient. L'esprit, c'est un peu comme... Il y a une situation, supposons. Ok, il fait soleil. Ok? Il fait soleil. Tu veux sortir. L'esprit te dit... Sors avec le parapluie. Tu dis, mais attends, il y a du soleil dehors. Hmm? Tu prends quand même le parapluie, tu mets dans ton sac. Tu rentres, il ne pleut pas. Oh, j'aurais pas dû prendre le parapluie. C'est pas tout le temps qu'il pleut, hein? Mais l'esprit voulait voir. Est-ce que elle a fait ce qu'on lui dit? Peut-être, si tu étais arrivé en ville, on t'a dit prolonge ton va chez toi plutôt à tel endroit. Donc la deuxième instruction, tu ne l'as pas écoutée. Et quand tu rentres chez toi, une heure plus tard, il pleut. Donc si tu étais arrivé en ville, tu avais écouté la deuxième instruction, tu te serais positionné là où la pluie serait tombée et tu aurais utilisé ton parapluie. Donc, ce qui se passe, c'est que parfois, vous ne mettez pas la continuité dans votre obéissance. Bonjour, Flore, depuis le Togo. Vous commencez, mais vous ne finissez pas. Je sens vraiment l'esprit. Je sens un peu comme si il crie sur quelqu'un qui devait... On t'a parlé, tu n'as pas écouté. Qu'est-ce que tu attends? Tu ne vas pas tomber. You are not gonna fall. Qu'est-ce que tu attends? Tu ne tomberas pas. Pourquoi tu ne veux pas agir? J'ai dit récemment à une de mes filles, il faut avoir le cardio pour tes choses. Il y a des décisions personnelles que vous devez prendre sur votre propre vie. Seule une place. Je le dis toujours, je suis totalement responsable de toutes les décisions que j'ai prises dans ma vie. I'm solely responsible for all my decisions. It was my choice. I decided. Yep. Yep, 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 yep. Yep, 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 yep. Si j'ai quitté le pays, oui. Si j'ai quitté la personne, oui. Si j'ai renvoyé la personne, oui. It was my choice. It was my decision. Quand tout le monde est d'accord avec mes décisions, je sais que je suis sur le mauvais chemin. J'aime quand les gens ne comprennent pas pourquoi je fais ce que je fais. I'm like, yeah, I get it. Oh my goodness. This is good. This is good. Because it takes time. Ça prend du temps pour que les choses se mettent en place. Écoutez l'esprit, ça coûte. Ça vous vaudra. Vous aurez l'impression d'être... d'avoir honte à certains moments. You'll be ashamed. Et ce sont des personnes qui ne veulent pas obéir qui vont vouloir te faire avoir honte. Ne demande pas conseil à quelqu'un qui ne suit pas l'esprit. Be very careful. They might bring you back, you know. Ils peuvent te faire revenir en arrière. Oui, c'est vrai. Je veux la boisson chaude. J'ai mis à chauffer là-bas. Oh my God. Attendez, je vais porter mon thé à la cuisine. Ah, ma fiancée. I love drinking hot drinks. It's nice. Ça m'inspire. Ah, des boissons chaudes sans sucre. Oh, I love it. I love this. J'ai fait du thé au thym aujourd'hui.
Regardez. J'ai acheté du thym frais au magasin. Et c'est super bon. Donc, tu as besoin de ta joie, de ton équilibre, de ta créativité, de ta connexion. Eric Kamgan, tu veux me dire que tu n'as pas l'argent? Tu bois le jus? En parlant d'argent pour le travail spirituel, il dit qu'il n'a pas l'argent pour le travail spirituel, il n'y a que l'argent pour le truc. Est-ce que vous savez que c'est ce que vous vous fixez comme objectif que vous atteignez? C'est pour ça que mes produits ne sont jamais moins chers. Vous pouvez trouver les mêmes ailleurs, hein, mais les miens, je maintiendrai mes prix. Tout ce que tu te fixes comme objectif, tu atteins. Anything you set your mind to do, that you accomplish. Très important. J'ai voulu mouiller mon cul chevelu aujourd'hui. J'en avais tellement envie. Donc, ça démange un peu, mais bon, ça va. Après, il y a des années, j'ai jamais pu acheter une Air Max de 90 euros à ma fille ou quoi que ce soit. Parce que je trouvais que c'était trop pour... Je préfère investir sur son intelligence mentale. C'est là que je voyais des personnes qui peuvent prendre 10% de leur salaire, 15% pour habiller leurs enfants. Et l'investissement intellectuel pour moi a toujours été une priorité. Je crois que c'était en 2018 en France que j'ai compris que tout ce qu'une personne se fixe comme objectif, tout ce qu'une personne voit comme nécessaire dans sa vie, elle va mettre ça au milieu de son esprit. Pardon. Et elle va manifester la chose. C'est pour ça que tu vas voir quelqu'un qui a un petit salaire, qui s'habille en Gucci. Oui. Tout son argent va là-bas. Tu trouves que c'est cher, mais pour lui, il ne pense pas que c'est cher. Parce que c'est ça qui a de la valeur pour lui. Donc, quand vous me dites que vous êtes pauvre, je ne pense pas que vous êtes pauvre. Je pense que vous n'avez pas d'objectif, c'est tout. Fixez-vous des objectifs. Pas forcément pour acheter mes produits, hein. Voilà. Et il n'y a rien que tu te fixes que tu ne puisses atteindre. C'est seulement que généralement, on se décourage en route. You start and you stop. Tu peux avoir une maman que personne de ta famille n'est jamais parti en Europe. Ton enfant a 3 ans et tu formules un projet, un rêve sur cet enfant. Cet enfant ira étudier aux États-Unis, supposons. Béni, je n'aime pas le mot aide-moi. Aide-moi, je n'aime pas ce mot. Tu n'as pas de paix dans tes relations. On t'a dit que c'est un problème. Peut-être que tu n'es pas censé sortir avec la personne. Peut-être que tu n'es même pas censé sortir avec un homme pour le moment. Parfois, le but pour lequel vous voulez quelque chose n'est pas bon. Et ils disent donc, on va gâter toutes tes relations jusqu'à ce que... Donc, le problème, c'est que vous ne fixez pas d'objectif. Tu peux décider que ton enfant ira dans de bonnes écoles. Tu rentres peut-être des 4 premières années, la 5e année, tu arrives à mettre ton enfant dans l'école que tu voulais. Est-ce que je peux ressentir la joie sans toutefois le manifester? Aïe, tu fais la philosophie ou tu bois le jus? Pourquoi vos esprits travaillent beaucoup comme ça? Ton esprit doit travailler pour te produire de l'argent, mon frère. Est-ce qu'il peut ressentir la joie sans le manifester? Quand il met d'abord ça dans ma tête, ça fait un jas, ça ne donne pas l'argent. Sérieux, je ne peux pas me poser cette question. Question barre, je te libère. Choisissez ce qui occupe vos esprits, hein. Choose well. Choisissez ce qui occupera vos esprits.
Parce que c'est ça que vous allez manifester. Si on te dit actuellement que tout ce qui va t'obséder, tu vas manifester. Mais pourquoi être obsédé par des trucs à la con? Pourquoi? Toute chose à laquelle tu penses et que tu parles, les directs que tu regardes, les vidéos, les gens à qui tu es abonné, demande-toi toujours qu'est-ce que je profite de la personne-ci. Il ou elle m'apporte quoi? En parlant de ça, ça m'apporte quoi? Je te dis, mes enfants, mon combat, ça a quoi à voir avec ce qu'il vient de dire? Vous voyez comment vous êtes toujours off-topic, non? Hmm? Vous êtes hors sujet. Mes enfants, mon combat, ça a quoi à voir avec ce qu'il vient de dire? Si on a plusieurs objectifs à atteindre, oui, c'est possible, mais il faut beaucoup travailler sur ton énergie avant d'arriver au moment où tu peux atteindre beaucoup d'objectifs. Parce qu'un objectif demande une accumulation, une concentration d'énergie. To reach a goal, you need to focus your energy. And most people, they're not ready to do that. Tu peux peut-être dire, ok, il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à faire deux business en même temps. Ou trois. Ou quatre. Je ne sais pas, les filles qui gèrent quatre mecs en même temps, je ne sais pas comment vous faites. Les hommes qui trompent leur femme, je ne sais pas comment vous faites. C'est pour ça qu'un homme trompe sa femme, c'est rare pour lui d'avoir beaucoup d'autres activités qu'il fait. Beaucoup d'autres. Hein. Parce qu'il faut d'abord qu'il se fatigue pour cacher Jeanne à Jacqueline. Qu'elle ne découvre pas que Jacqueline est là après. C'est compliqué, gars. Ça ne donne pas l'argent. Bonsoir, Béa. Maintenant, vous devez exercer votre énergie. Et surtout, accomplir beaucoup de travail spirituel. Parce que tout commence dans le spirituel. Et beaucoup d'entre vous, vous avez la puissance parfois, mais vous le faites seul. Vous ne vous faites pas assister. C'est rare de voir une célébrité qui n'a pas quelqu'un qui travaille sur lui spirituellement. Parce que peut-être il est arrivé là-bas seul, mais le mauvais œil, il y a trop de choses qui vont venir en facteur. Et parfois, il y a un truc qui veut se manifester. Tu rêves, tu vois ça, tu sais que ça va venir. Après quelque temps, l'ennemi vient et l'attaque. Tu vois, la personne te fuit, la personne avec qui tu devais collaborer te fuit. Tu vois, le business est en train de fuir. Tu ouvres un magasin, c'était bien au départ, les clients ne viennent plus. Il y a des actes, il y a des choses que vous devez faire constamment pour faire bouger l'énergie. Donc tout part de ton énergie. C'est pour ça que tu dois être quelqu'un avec une énergie très haute. L'énergie très haute, c'est comme les muscles. Oh, j'ai déjà ça, non, j'ai déjà ça. Je fais quoi d'autre? Ça se travaille. Ça se travaille. Même le mauvais œil à un niveau ne devient même plus un problème. Parce que quand tu vas avoir l'argent, les gens le sauront, non? Si tu es enceinte, on va voir, non, mamie? Mettez-moi en prière, je n'aime pas ça. Ne demande pas la prière ici. Quand je vois les paroles des gens qui sont faibles d'esprit, je ne veux même plus lire. I don't dive into your brokenness. Je ne plonge pas dans ton... Dans ta... Je ne vais pas appeler ça pauvreté, mais l'esprit brisé. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des gens, quand vous arrivez chez eux, vous avez l'impression que le frigo est plein, il y a tout le carburant dans la voiture, il y a au moins deux ou trois voitures à la maison. On dit, bah, oh, donne-moi la voiture, je pars à tel endroit. Tu n'es pas rentré, toi, avec la voiture, pourquoi? Tu as pris la viande dans la mamie, pourquoi? Il y a tellement de viande dans la mamie que tu ne peux pas voir si on a mangé ou pas. Hmm? L'abondance est dans des petits détails. Il y a l'argent partout à la maison. L'argent est partout à la maison. Fais très attention, hein. Pauvreté, c'est une énergie. C'est très subtile. Très subtile. Quand quelqu'un est mon ami ou bien quand quelqu'un soit avec moi là,
Il dit toujours, ne t'adapte pas à mon rythme de vie. Je ne sais jamais là où j'ai mis mes choses, tellement j'en ai. Les choses réapparaissent dans mes maisons selon la période. J'ai porté un collier en ivoire aujourd'hui. Mon ami m'a parlé de ça ce matin. Et je suis dans le pays où il y a ce collier. S'il m'avait parlé de ça, j'étais ailleurs, je n'avais pas porté ça aujourd'hui. J'arrive dans un restaurant, je n'arrive pas à trouver ce que je porte. Je commande trois choses et dépose sur la table. Oui. Oui, je commande un, trois, quatre même. Pourquoi faire seulement un si tu peux faire plusieurs? Quelque chose ne me plaît pas, je jette. Ça se casse, je jette. Mes employés connaissent. Jetez-moi les trucs cassés là, jetez ça. Je suis allé aussi au quartier aujourd'hui là, à Louis, mettre les courriers dans mes cheveux. Mais seulement qu'ils ne voulaient pas bavarder. J'ai trouvé donc, je ne voulais pas monter loin là pour avoir un grand salon. Je suis donc, il y a une femme qui a un petit salon en route là, un truc en carabote. Je me suis assise là-bas. Elle a commencé à mettre des courriers sur ma tête. Quand elle finit, elle me dit, regarde, elle me donne un miroir cassé. La pauvreté a des signes. Ce n'est pas qu'on t'insulte, mais quand tu commences à rectifier ces signes, progressivement, quelque chose est cassé de ta maison, tu jettes. Ça se gâte, n'essaie pas de racoler. Ton téléphone se casse. Combien d'entre vous, vous avez les écrans cassés? J'ai acheté un iPhone. J'avais l'iPhone. Tu vois que le derrière du iPhone est en verre. En l'espace de deux semaines, j'ai cassé le derrière de deux de mes iPhones. C'est là que même celui qu'il fallait là. Un que j'ai réparé à 40 000, l'autre à 35 000, un truc comme ça. Quelque chose comme ça. 30 ou 35 000. Et l'autre 40 000. Et là, c'est là qu'il m'expliquait qu'il a dû casser tout. Il casse tout le derrière et il remet. Donc. Tout ce qui est cassé, je sais que vous ne le pensez pas, vous ne le croyez pas, mais si tout ce qui est cassé chez toi, tu te fixes pour objectif d'arranger, et au début ça coûte énormément, il coûte, parce que tu te dis que ça, c'est là-bas, non, et aussi acheter des objets neufs. Avant j'achetais beaucoup aux cases, j'ai fait dans la brocante pendant 3 ans. Quand j'ai fini la brocante, je me suis dit, voilà, j'ai pas besoin de choses nouvelles chez moi. Depuis au moins 2 ans, tout ce qui est mis chez moi, neuf, neuf. Tout ce qui est cassé et vieux, ça stresse. Ça fait quelque chose à ton âme. It does something to your soul. Acheter des trucs neufs. Vous savez, c'est une décision, hein. Parce que les gens se disent que quand j'aurai, je vais. Et quand j'avais commencé ça, je partais acheter ce qui était neuf, mais le moins cher. Hmm? Donc tu arrives, non. Ok, tu peux décider peut-être que je vais à Primark. Primark fait le moins cher. Mais tu es sûr que c'est neuf. Et après Primark, de temps en temps, tu pars un peu dans d'autres magasins petit à petit. Commence peut-être par là. Moi, j'achetais des produits génériques parfois. Donc, quand tu arrives peut-être chez Tesco, Asda, Carrefour, ils avaient les produits Carrefour. C'est les moins chers généralement. Donc, tu veux peut-être commencer par ça. Le verre se casse, tu jettes. Que je ne suis pas en Afrique. Ah bon? Ok, si tu as ma localisation GPS, ça va. Et je ne vais pas discuter avec toi. Les verres cassés, les assiettes cassées. Mes employés, j'avais acheté de la porcelaine en 2021. 100 000 francs le paquet à une dame qui avait reçu les produits là, je ne sais pas trop, brocante, je pense, oui. Mes employés ont cassé toute ma porcelaine. Il dit, mais vous êtes villageois que comment? Vous m'écoutez, vous me connaissez. Je vous insulte bien. On ne peut pas vous mettre bien. Vous arrivez, vous trouvez la porcelaine dans ma cuisine. Vous avez l'honneur de manger dans les assiettes en porcelaine, vous cassez.
villageois. Dans les choses cassées, là, vous jetez. Remplissez vos frigos, s'il vous plaît. D'accord, Samine a dit, ceux qui amassent, les amassants compulsifs, ok. Oui, oui, même les choses encombrantes aussi. Senabou, merci pour la rose. Je n'aime pas quand ma maison est saturée, quand le bureau est saturé. Tout ce qui est là, c'est mal rangé, c'est tordu, c'est ceci. Même les chaises qui... J'ai grondé mes appels toujours. Une dame était dans mon direct ici. Je vous achète les chaises propres. Vous faites son sale que comment jusqu'à vous me salissez les chaises. Je crois que j'ai acheté du mobilier en juin de l'année passée. Un an plus tard, les chaises sont toutes sales. Cassées. Vous faites quoi pour casser les chaises? Quand tu achètes du meuble avec du tissu, quand c'est sale, il y a des périodes où je fais changer carrément. Oui. Pas à brise de la voiture est cassée, mais tu le répares ou tu le changes. C'est quoi cet esprit-là, univers animé? Si le pas à brise de la voiture est cassée, tu changes. Est-ce que c'est n'importe qui achète la voiture? Tu n'es pas prêt à changer, à réparer la voiture, à avoir l'argent pour changer les pièces. Et aussi ceux qui traînent. Je le ferai. Je ferai. Nous ferâmes 5 ans plus tard. Je le ferai. Caille. Moi, en parlant que j'ai agité. Moi, j'ai agité. Parce que c'est que si j'ai besoin de quelque chose tous les jours, j'envoie la main, je ne vois pas. J'envoie la main, je ne vois pas. Au bout du deuxième jour, je vais aller acheter. I'm gonna buy it. Oui. C'est ça. Remplacer. L'habit est gâté. Il y a les vêtements que quand tu portes, tu ne sens pas de... Vous voyez que je change constamment de vêtements. Vous n'avez pas remarqué? Moi, j'ai mes saisons. Hein. J'ai les saisons. Parfois, il reste ensemble et dit que... Je ne sais pas, je me sens bien dans ce genre de vêtements. Souvent, on se donne l'argent, allez acheter, ils achètent. Je porte ça pendant 3 semaines, 1 mois. Après, ça ne me plaît plus. Oui, c'est ça, maman. Rose aimée. Mal rangée, cassée, sale, les armoires bizarres. Tu peux entrer dans la maison d'un bailleur, tu arranges à ton aise pour vivre. J'ai trouvé un appart à Abidjan. C'est maintenant que le prochain que j'aménage là-bas dans 2 semaines. Celui-là, on a refait tout l'appart. Et c'était un plaisir pour moi. J'aime bien aménager. Je suis like, you know, I'm the first. J'aime bien ça. Quand je ne suis pas la première, je m'assure que les travaux soient. Donc, l'appart d'où je sors, j'ai changé carrément les manches des portes. C'était rouillé. I was like, ah. Les interrupteurs étaient. C'était sale, gâté, bizarre. Non, I don't want that. J'ai acheté, mais à Abidjan, les interrupteurs coûtaient 3 500. Et j'avais besoin d'au moins 25. J'ai acheté au Cameroun, je suis venu avec Abidjan. Hein. Êtes-vous pasteur ou servante de Dieu? Bonjour, Anifaha. I am. I'm just a person. Ok? Suivez-moi pour qui je suis. Je ne me nomme pas forcément, pas très souvent. Je fais ce que Dieu me guide de faire. Dieu, les ancêtres, les anges, les guides. Ok?
Si ce que je dis ne résonne pas avec toi, ce n'est pas un problème. Mais si ça résonne, c'est ça. Mon esprit parle à ton esprit. Moi, je parle d'esprit en esprit. Je ne parle pas de, like, you know. Moi, j'ai changé toutes ces choses-là. C'est maintenant en déménageant, je ne sais pas si vous... Je voulais enlever GT parce qu'il gardait sa part. Il était là, he was so mean to me. Monsieur le bailleur, si tu me regardes ma vidéo, tu n'étais pas gentil. You were not gentil. You were not gentil, bailleur. Hmm? Attendez, je vais mettre le téléphone si on cherche. You were not gentil, bailleur. He was not gentil at all. Tu veux le rendez-vous pour faire quoi? Un arc-en-ciel à la télé. Oh God, vous devez voir ça. Ah, oh my goodness, vous devez voir ça. Vous voyez? Oh, that's so nice. Oh, je vous passe les bonnes nouvelles. Que la grâce soit sur vous. Regardez, voilà ça. Que la grâce, que ce que vous manquez, que vous trouvez ça maintenant. Oh là là, I'm so happy. Vous savez, je vois la lumière. I send you light. Light. Love and light. Je vous envoie de la lumière, de la pureté, de l'abondance. Vous ne pouvez pas les étalages qui vont vous dire. La jalousie n'est pas d'impact sur vous. Que vous soyez invisible pour ceux qui vont vous chercher pour vous faire du mal. Vous savez quel est apprenti. Ah. Tu es dans une nouvelle phase de ta vie. Les bonnes choses sont en train de commencer. L'argent est en train de se positionner. Tu vas commencer des projets. Tu ne seras pas sensible à la jalousie. Oh, ta beauté. Est-ce qu'on parle de ta beauté? On parle de ta beauté? Ta beauté, on en parle. Ta beauté, on en parle. Tu es enceinte, mais tu rayonnes. Prends beaucoup de photos parce que tu n'as pas bougé. Prends beaucoup de temps. Flawless skin. Flawless. Ta beauté. Ta peau. T'aimes de plus en plus. Tu te choisis. You're choosing yourself more. Tu as restauré l'enfant qui est en toi. Qui avait besoin d'amour, qui avait besoin d'attention, qui avait besoin qu'on l'écoute. Tu ne peux pas changer le monde si tu n'es pas toi. If you don't love yourself. You should let me love you. Let me be the one to give you everything you want and need. Maybe good luck and protection. Make me the selection. Show you the way love's supposed to be. Baby, you should let me love you. Love you. Love you. Oh. Mm. Listen. Mets la musique là ce soir, tu écoutes. Je sais que tu as beaucoup pensé à ta jeunesse et tout ça. Mais tu rentres dans une ère où tu vas flotter carrément. Tellement tu seras bien dans ton corps. Let me love you, love you,
love you. Aime ton corps comme il est. Aime tes formes. Ne critique plus le corps là. Tu n'es pas grosse. Tu as regardé les Bridgerton? Regarde la courte fille grosse là comme ça là qui... Elle te fait aimer le... Oh, ils ont fait un chef-d'œuvre avec ce truc. Aime les saisons de ton corps. Aime les saisons de ton corps. Love the seasons of your body. That's how you become more beautiful. C'est comme ça que tu deviens encore plus belle. Samina, je te parle. Aime ton corps, chérie. Oh, come on, girl. Aime ton corps. J'aime mon corps. Vous pensez que quand elle marche, vous me regardez derrière là, vous aimez ça. Même moi, j'aime mes fesses. Moi-même. J'ai tous les longs miroirs dans ma maison parce que je reste comme ça, il me tourne et regarde et que, ah! Oh non. Ça, c'est un chef-d'œuvre. This is a piece of art. Yes. This is a masterpiece. Yes. Love your body, girl. Aime ton ventre. Aime tes seins. Tu penses que tu as de gros seins? Ah ben non, chérie. Mais voilà. Avant, tu faisais près de 150 kilos. Waouh. Non, aime ton corps, aime ton corps. C'est comme s'il y a des petites bulles qui... J'aime tellement mon corps maintenant, pourquoi? Parce que je mange tellement bien. Quand je mange, c'est comme si je parle, c'est comme si j'étais en train de manger de l'amour. Et je ne mange pas forcément pour maigrir. Quand je prépare, c'est tellement bon et c'est sain. Avant, je préparais avec le cube, je ne prépare plus avec des trucs chimiques. Quand il parle, tu le mets dans ma bouche, ça me plaît. Oh my goodness. Vous ne savez pas que j'avais les fesses. Tout le monde a les fesses, monsieur. Oui, même les hommes, là, regardez vos fesses, ça vous plaît. J'ai des facultés de philosophe, Kevin. Ok, merci, thank you. J'aime beaucoup réfléchir, j'aime penser, j'aime observer et j'aime penser, réfléchir, oui. Par-dessus tout, j'aime penser différemment de ce que les gens... Quand tout le monde pense quelque chose, c'est là que je vais dans l'opposé. Aime ton corps. Quand tu prépares ta nourriture, je prépare rarement avec la viande. Je prépare avec la viande quand je fais plaisir à mes employés. Ils aiment la viande. Mais moi, particulièrement, je prépare avec mon bunga. Bunga, un peu de sardine ou bien de la sardine fumée. Ça fait l'affaire pour moi. I don't really like meat per se. Pardon. Et j'aime quand c'est frais. Je maximum 10 minutes sur le feu là, c'est bon. I love it. Je mange frais. Now I'm going to start growing my food. Mon objectif, c'est que dans un an, que je puisse manger ce que j'ai planté moi-même. Ce serait super. J'ai de l'espace ici à Libreville. Je vais planter quelque chose. À Douala, on a commencé. La première récolte était superbe. It's nice. It's lovely. Il y a les hommes qui aiment les formes. Hein? Il y a les hommes qui aiment les formes. Oh. Hein? Mamie, pardon. Il parle pas. Tu fais des géminations, Luzerne. Ça prend 4 jours. Ok.
Yeah, when you harvest something from your garden. Yeah. Quand j'ai bu mon thé au basilic que j'avais fait pousser, oh my goodness, j'étais tellement contente en le buvant. I was like, this is the best tea I've ever had. It was great. Ne vous jugez plus trop. Ok. Tu risques de tomber amoureux de moi. J'aime l'amour. L'amour n'a pas besoin d'être sexuel forcément. La preuve, il y a des gens mariés. Tu es marié à quelqu'un, mais tu rencontres une personne. Ton âme est tellement attirée par la personne. Ce n'est pas avec lui que tu es marié. Ton âme est attirée par la personne. Et ton mari sent que tu aimes l'homme si plus que tu ne m'aimes. Mais ce n'est pas sexuel. C'est une sorte de compréhension sans même parler. Like, quand on est ensemble, ça colle. Quand je t'écoute, tu m'animes. You're making me alive. Tu me fais vivre. C'est subtil. C'est fin. C'est délicat. C'est de l'art. Et on a beaucoup d'âmes sœurs. Et on n'a pas qu'un seul ou une seule âme sœur. C'est le monde des jaloux qui a créé les affaires d'âmes sœurs, une personne. J'avais regardé ce film qui s'appelle Sense8. C'est un film très spirituel sur Netflix. Sense8. Sense, c'est-à-dire S-E comme sens. Sens 8, voilà. Donc, c'était 8 personnes qui étaient en harmonie en esprit. L'âme sœur, un peu, c'est comme ça. Vous comprenez? Votre humour passe. Et c'est quelqu'un que tu sais peut-être qu'on ne sera jamais amant. Parfois même être amant, ça gâte. Ça gâte ça. Roger. Je suis au Gabon depuis 48 heures, oui. Merci Mifundu. Parfois, on a envie de sauver tout le monde. Mais en mettant un peu d'attention sur soi. Parfois, les enfants nous absorbent énormément. Le meilleur cadeau que tu puisses faire à tes enfants, c'est d'être épanoui. Be happy. Et nos enfants, parfois, nous manipulent. Hein? I shall not cut my happiness because of a relationship or a child or non. Mon bonheur ne dépend pas des enfants, du mari, du travail. Apprends à avoir ton bonheur à toi. Donc, j'espère que vous avez retenu ce pourquoi je faisais ce direct. Money is coming. Money is coming. Money is coming. L'argent est là. Tu pensais que c'est fini. La semaine, si tu m'as fait des projets que toi-même, tu n'avais pas imaginé. Oh my goodness, on a lancé le projet. Et je vois quelqu'un, c'est là que tu avais peur de ne pas avoir le financement approprié pour lancer le projet. On me dit de te dire, lance-le. Ça ne va pas tomber. Parce que la période aussi dans laquelle tu es depuis un mois, ton énergie est tellement high que toutes les opportunités que tu as tirées, it's the one. Je me demande si je suis mariée, ça ne changerait rien. Si je suis célibataire, ça ne veut pas dire que je vais t'épouser. Donc, je ne vois pas pourquoi tu me demandes si je suis mariée. L'argent vient. Les idées que tu attires, ce sont des idées de ouf. Donc, si ça atterrit dans ton esprit, ça veut dire que c'est ce que Dieu veut faire.
Si tu te dis, je pense que je devrais, mon revenu devrait doubler. Ça veut dire que c'est ce que Dieu, c'est ce qui est en train d'arriver. Lance-toi. Lance le business. Lance le business. Lance le business. Lance le business. Qu'est-ce que j'ai dit? Do it now. Oh, Ivana, j'ai changé ta vie, c'est super. La reine Ivana. Vous allez encore monter. Tu n'as même pas commencé. La peur là que tu ressens, c'est apparent. Dimanche prochain, à 7h, tu diras, ah, on a déjà récupéré l'investissement. Après une semaine, on a récupéré l'investissement après une semaine. C'est pas l'image qui me rappelle beaucoup les voies de la Belgique, les voies ferrées. J'étais en Belgique quand j'avais 19 ans. Tu ne peux pas tomber. Il y a plus d'émotions et d'excitation. I don't know if you say that in French. There's more excitement, you know. Vous avez compris ce que je veux dire. Quand tu es en train de faire ce que tu voulais faire depuis, ce que tu as visualisé, ce que tu as projeté. Mais quand tu n'es plus dans le genre de saison où tu avais honte d'avoir fait quelque chose, ça n'a pas marché. On me dit que ça va marcher. Donc, ne laisse pas les gens autour de toi te dire, oh, pour telle personne n'est pas toi. Et tu ne sais pas pourquoi telle personne avait lancé le business. Peut-être ils ont lancé pour imiter quelqu'un. Et toi, tu lances parce que Dieu t'a dit. Connaissez vos sources. Telle personne peut lancer parce qu'il a vu à la télé, il a vu à vous l'imiter. Toi, c'était sur inspiration divine. God told you himself. You were connected. We don't have the same source. On n'a pas la même source. L'autre personne a agi pour imiter. L'autre personne a agi parce que, oh, c'était là. Oh, non, on a dit que c'est ça qui passe. Comment dois-tu pas faire? Tu sais que tu dois le faire. It's in your mind for 4 years. Tu as eu ça dans ton esprit depuis 4 ans. Depuis 3 ans. Tu sais que tu dois le faire. Allez, go, 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 go. Tu ne peux pas tomber. J'ai dit quoi? Tu ne peux pas. J'ai dit quoi? Tu ne peux pas tomber. Enregistre-toi comme artiste. Lance-toi. Crée ton business. Loue la boutique. Lance la page. Ah, fais le transfert ce soir. Fais le transfert. Donc, on me dit de vous dire que vous devez semer vos offrandes que vous allez faire. Si vous me suivez, vous savez comment faire des offrandes dans mon ministère. Donc, je n'ai même pas besoin de vous dire. Donc, il y a quelqu'un qui veut semer pour quelque chose qu'il voulait lancer. Il y a 2 types de semences qu'on me montre. La première semence, c'est pour avoir l'argent pour faire le business. La deuxième semence, c'est pour la pérennité, si ça existe, du business. Pour que le business reste en vie et qu'il prospère. For your business to thrive. Chacun saura ce pourquoi il veut s'aimer. Mais là, ce soir, comme tu es déjà entré dans la nouvelle journée, je sais que certains, vous êtes encore en retard de quelques heures. Lance ta semence avec ton désir et ta visualisation de ce que tu demandes. Pour recevoir l'argent pour le billet d'avion, là, Vanée, ça,
pour recevoir l'argent pour lancer l'activité. Sème et tu lances. Lance ton pain sur l'eau. Cast your bread upon the waters. It shall return to you. J'ai délivré tout ce que vous m'avez dit de leur dire. Parce qu'ils ont besoin de vos actes pour agir. Vos guides ont besoin d'une action. Quand tu es bloqué, c'est l'action qui apporte la réaction. Comprenez le spirituel. Ok. Vous m'avez entendu? Quand c'est comme ça, tu comprends qu'aucun projet ne peut te dépasser. Avant, tu voulais... Merci, Gordo. Oui, je voulais les papiers, l'argent pour faire les papiers. Tu as fait. Je voulais pour payer le visa. Tu as payé. Tu as obtenu le visa. Je veux pour payer le billet d'avion. Tu vas obtenir. Tu payes. Après, je veux le pour que la personne s'installe ici. On loue l'appartement pour lui. Comme ça. Chaque étape, tu sais ce que tu dois faire. Je vous enseigne les choses qui vont changer votre vie. Je vais chanter un verset d'une chanson. Il y a aussi quelqu'un qui doit semer pour sa destinée. Tu sais que tu dois être connu, tu le sens en toi. Et pendant que je vais chanter, tu vas recevoir de la force, ok? Visualise. I wanna leave my footprint in the sand of time. No, there was something that meant something that I left behind. When I leave this world, I leave no regrets. Leave something to remember so they won't forget I was healed. I lived, I loved, I was healed. I did and I've done everything that I wanted, and it was more than I thought it would be. I will leave mama so everyone knows. Maintenant, vous êtes en train de recevoir des cadeaux. Éphésiens chapitre 4. Le Seigneur est en train de partager des cadeaux. Vos dons sont en train d'être activés. Cette nuit, vous vous réveillez peut-être en train de parler devant des gens, en train de voyager. On va vous confirmer à travers des visions cette nuit. Il y a aussi des cadeaux financiers qui sont en train d'être déposés dans vos comptes. Il y a aussi des chaînes qui sont en train de te briser. Il y a quelqu'un ici, là, tu avais envisagé partir dans un pays, peut-être le Canada ou les États-Unis. Tu as commencé la procédure, tu as laissé. Là, tu es en train de recevoir la force extra pour cela. Il va falloir que tu te réveilles. I just want you to know that I gave my best, did my best, love someone, some happiness. Il y a aussi des personnes, vous voulez faire du caritatif, mais vous aviez été bloqué dans le passé. Mais là, vous allez reprendre avec plus de puissance, avec plus de force, avec plus d'impact. Mettez la main sur la poitrine. Ange Michael, j'utilise cette main sur leur poitrine pour enlever le découragement. Je commande à tout esprit de découragement dans votre corps de sortir. I command you to check out right now. Any discouraging spirit. Tout esprit de peur. Any spirit of fear. I cast you out of that body right now. Je te commande de sortir de ce corps. Je vois une femme, tu es couchée à côté de ton mari. Mets juste la main sur son épaule peut-être. Ou tu es à côté de ta femme. Je chasse la peur de votre foyer. Je chasse la peur de ton cœur.
Demain que tu reçoives ta bonne nouvelle, avant 6 heures, avant 8 heures, reçois ta bonne nouvelle. Demain, tu te lèves comme un combattant, comme un conquérant, voilà. Comme un conquérant. Take over. On me donne pour toi le passage de Josué, chapitre 1, verset 3 ou 5. Je te donne en possession toute terre que tu vas toucher des pieds. Every land the sole of your feet shall trample. I give unto you. Peut-être tu n'as pas de papier là où tu te trouves. Le Seigneur me dit de te dire, fais une libation au Fanta. Prends le Fanta, tu verses au sol. Tu demandes la faveur du pays où tu te trouves. Je viens d'arriver, certes. Je n'ai pas les mêmes caractéristiques qui permettent qu'on puisse prospérer ici. Mais je vous demande la faveur. Tu verses ton Fanta, tu bois un peu. Josué chapitre 1, verset 3. Cette terre que je touche de mes pieds, je la prends en possession. Tout esprit récalcitrant, tout esprit adverse qui m'avait bloqué le chemin, qu'il vienne de moi ou pas, que je l'ai eu, j'ai eu accès à cela consciemment ou inconsciemment, je m'en libère. Je me détache des chaînes qui m'ont bloqué pour que je ne prospère pas dans ce pays. Tu dis cela et tu répètes au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Allez dominer. Je chasse la peur de vos pensées. Tout ce que vous avez reçu aujourd'hui, il est scellé par le sang de Jésus. Je déclare que ça ne pourra pas être pris, ni par l'esprit de peur, ni par les personnes à côté de vous. J'active vos mains contre les mains percées. Que l'argent qui est en votre possession, que vous puissiez l'utiliser de façon à le multiplier. Il y a quelqu'un aussi qui va faire un sacrifice, tu hésitais. Depuis l'esprit te parle que tu dois faire une offrande, mais le montant est un peu élevé pour toi, tu te dis, oh. Il te dit de le mettre au challenge. Et il te donne, quand tu vas donner ça, tu lui dis que tu lui donnes 24 heures pour changer ta vie. Seigneur, je donne cette offrande. Comme mon argent sort, si cette femme-ci est une terre fertile pour moi, comme ça sort, que ça revienne multiplié. Je te donne 24 heures, Seigneur. Mettez Dieu au test. Test God. Est-ce que cette femme a été envoyée dans ma vie? Je connais mon travail. I know my work. I know my word. I know my work. And I know my mission. Je bénis les offrandes qui seront données quand vous allez écouter ceci à vos diverses heures. PayPal, ce sera Aurélie, A-U-R-E-L-I-E. Michel, M-I-C-H-E-L-L-E, 2017@gmail.com. Aurélie Michel, 2017@gmail.com. Je serai au Burkina dans moins de 7 jours. Donc, les gens du Burkina, si vous voulez me voir personnellement, il faudra que vous commenciez déjà à réserver. Je ne donne jamais mes dates de voyage. Just like that. Donc, Aurélie Michel 2017@gmail.com. Donc, A-U-R-E-L-I-E-M-I-C-H-E-L-L-E 2017@gmail.com. Généralement, ça convertit en pound, en livres sterling quand vous envoyez. Et ça vous donne mon nom. Reine Lumière. Mon WhatsApp est dans la bio. Donc, il y a quelqu'un ici, tu crois, you believe in God, là, tu as besoin, tu es en train de vouloir lancer quelque chose, je sais pas quoi. Et tu as une croix, donc tu crois en quelque chose dans ton cœur. Comme tu es en train de libérer ses finances, c'est pour ça. Donc, parle à Dieu et tu demandes clairement. Si tu as appelé la femme, si. Et je sais que Dieu m'a appelé. I know God has chosen me, I know that one. Confirme-moi ça, Seigneur. Si ça ne marche pas, vous me recontactez, je vous envoie votre argent. Ok, donc, si vous l'avez fait aujourd'hui, ça veut dire que j'aurai de vos nouvelles mardi. Ok? Généralement, les témoignages, vous oubliez de me dire. Vous oubliez de témoigner. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est que ça tourne mal d'ailleurs, lui me dit. Ok, bon. Orange Money pour les gens du Cameroun, 237 693 50 22 66. Et le nom dessus, c'est Joseline.
Si vous envoyez de l'étranger, utilisez le Orange Money suivant, du Cameroun toujours. Le nom dessus, c'est AB Solo, A-B-E-S-S-O-L-O, Charles Bronson, Charles, C-H-A-R-L-E-S, Bronson, B-R-O-N-S-O-N. Je donne le numéro maintenant. 237-655-31-0750. Il y a des arnaqueurs qui vont utiliser mes vidéos pour vous tromper. Il y a des arnaqueurs qui vont vous contacter avec les profils qui ont ma photo. Ce ne sera pas moi. Je n'ai pas le temps pour contacter les gens. C'est vous qui nous écrivez, on vous répond. Donc, je répète le numéro. 237-655-31-0750. Je donne dans le numéro Orange et Wave de la Côte d'Ivoire. 225-07-79. 07-79. 02-52-05. Pour Kinshasa, on a le M-Pesa. Mais je n'ai pas ça en tête. Je n'ai pas retenu l'autre là. Donc, si tu me donnes 2 minutes, je vais chercher le M-Pesa et je te donnerai. Donc, je reviens sur Abidjan. 225-07-79-02-52-05. Ça, c'est Wave et Orange Money. Donc, 07-79-02-52-05. La rose, j'ai reçu ton offrande. Je la bénis. Je m'accorde avec toi selon Matthieu chapitre 18, verset 18. Que ce que tu as demandé, s'il y avait des chaînes qui te retenaient, nous les brisons ici en live. S'il y avait des chaînes, Sanagnon, j'ai reçu ton offrande. S'il y avait des chaînes qui te retenaient pour que tu n'accèdes pas à ce que tu demandes. Ok, ok, ok. Non. Rose, ils veulent te parler. Je vais dire ce qu'ils me disent de te dire. Ok. Tu es en train d'entrer dans une autre dimension de ton ministère. Et la décharge, ce qui va bientôt être déchargé, ce sera comme une... Je vois l'aurore. L'aurore, comme un lever un lever de soleil. Tu es dans la, you know, tu es à l'aube de quelque chose de grand. Je vois aussi ton troisième œil qui va sourire encore plus. Oh gosh, pourquoi vous faites ça? Il me montre beaucoup de voyages astral. Tu en fais déjà, mais là, ce sera une autre dimension. Il y a des parties de ton corps même qui vont s'activer. Tu as des chakras qui vont s'activer. Ils ont déjà commencé. Mais là, c'est vraiment au moment de derrière de ton dos. De cette épaule vers l'autre épaule, calcule le milieu. Il y a des activations sur le derrière de ton dos. Il y a quelque chose d'autre. Beaucoup de joie dans ta maison. J'entends beaucoup de rire chez toi. Laughter, la joie surdimensionnée sera ta portion. Oui. C'est bon, je peux sortir. Je te vois fermer la porte. Mets une petite lumière dans la chambre de la reine qui arrive. Parce que je te vois fermer sa chambre et il y a une petite lumière dans le coin. Tu vois les fausses bougies là, non, qui sont toujours allumées. Ça va représenter la présence du Saint-Esprit dans sa chambre. Ok, c'est ce qu'on me montre. Ok, 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 ok. Est-ce que je peux sortir de sa maison, s'il vous plaît? Merci. Ok. Donc, je bénis les offrandes que vous avez faites et que vous ferez. Il y a beaucoup de personnes ici. Vos voyages astro seront... sera une autre dimension. Adama Koli, je bénis ton offrande. Je ne sais pas si j'ai des problèmes à la poitrine. Mais peut-être tu vas beaucoup tousser. Prends l'eau, tu bénis. Avec, si tu as un de mes produits, la poudre jaune, tu peux lécher. Mais je sens la poitrine. Comme s'il y a quelque chose dans ta poitrine qui va sortir ce soir. Ça t'essoufflait énormément. Ça t'empêchait de parler. Oui. Donc il y a des voyages astro qui vont beaucoup se faire. Parfois tu es en journée quelque part comme ça, tu fais. Tu t'endors un peu et puis, boum, tu es transporté. Voilà.
Tu vas aussi recevoir beaucoup de visites astrales. Beaucoup. Mes numéros sont sur ma page, Ephraim. 237, ça c'est le numéro du Cameroun. Le numéro MTN du Cameroun, c'est le 237 680 71 07 01. Donc, celle qui a demandé le numéro Wave 225 07 79 02 52 05. Je vais chercher le numéro de M-Pesa. Donc, M-Pesa, c'est... Ok. Bon, j'ai trouvé. Donc, 243. 836. 724. 932. Ok. On vient trouver M-Pesa. C'est 243 836 724 932.